Tout est parti d'un simple garage, ça nous en rappelle d'autres. D'ailleurs, une success story comme on les aime, mais qui pose quand même problème. Ah oui, et pas un problème. Il y a vraiment des problèmes importants et j'en ai listé quelques-uns. Vous allez voir que là, on n'est pas dans des miettes. D'abord, le modèle économique. Hein, quand on domine un marché comme ça, pareil, c'est un vrai problème économique pour la concurrence. Récemment, la Commission européenne, via Margrethe Vestager, a décidé d'une amende de plus de 4 milliards d'euros parce que les pratiques anticoncurrentielles de Google ne plaisent pas. Ensuite, l'optimisation fiscale. Ah, ça concerne pas que Google. Petit problème. Ça concerne l'ensemble des GAFA américaines essentiellement. La sécurité des données personnelles. Tout ça n'était pas sûr. L'impact démocratique. Voilà que Google annonce qu'il retourne en Chine. Mais alors attention, s'il retourne en Chine, ce sera peut-être avec un moteur qui s'adaptera à la manière dont les Chinois conçoivent la liberté d'information et la liberté d'expression. Donc c'est un vrai problème. Défi à la souveraineté des États, on l'a vu. Hein. Ils sont tellement beaucoup plus puissants qu'ils arrivent à imposer leurs propres lois. Et puis menace sur la diversité de la pensée. On a reproché le fameux algorithme de Google qui faisait remonter essentiellement la représentation d'un certain nombre de personnes et pas des autres minorités. Qui peuvent s'exprimer. Donc voilà le certain nombre de problèmes qui inquiètent vraiment.